Salut tout le monde, c'est Woogies et aujourd'hui avec Deleuze, je sors de ma cuisine. Nous sommes partis à la découverte des aubergines. J'ai pu découvrir tous ces secrets grâce à Jill, la fille de cette famille de producteurs. C'est vraiment fascinant de pouvoir être au cœur de cette production et de comprendre tout le processus de création de la graine jusqu'aux légumes. Les aubergines sont récoltées à la main pour être cueillies à leur apogée et respecter un cahier des charges bien précis. Clairement, pour cette phase de tri, il faut être ultra réactif. Mais je crois que je m'en suis plutôt bien sorti. Oh waouh! Et ça part sur des aubergines grillées au barbecue qui vont vous donner envie de les cuisiner tout l'été. On les fait cuire tranquillement pendant une bonne demi-heure sur le barbecue. Le but, c'est d'avoir une peau bien grillée et une chair bien fondante. On profite de la chaleur des braises pour faire fondre du beurre, dans lequel on va déposer de l'ail râpé. Pour le croquant, on peut déposer un déluge de petites graines de tournesol. On mélange un petit coup, puis on ajoute du sel, du poivre et du piment d'Espelette, un peu de graines de sésame noir, et on laisse cuire jusqu'à ce que le beurre soit bien moussant. Oh, c'est magnifique. Une fois que nos aubergines et notre beurre sont prêts, on peut passer à la suite. Dans un récipient, on va pouvoir déposer du yaourt dans lequel on va ajouter du jus de citron jaune, parfait pour l'acidité. Pour encore plus de gourmandise, 2-3 cuillères à soupe de tahini, c'est de la pâte de sésame. Et pour rendre le mélange totalement addictif, on va émietter un bloc de feta avec de l'huile d'olive, un peu de poivre fraîchement moulu et de la fleur de sel. Et là, on mixe au robot ou on mélange à la fourchette. Regardez-moi cette texture! Il ne nous reste plus qu'à faire un petit lit de yaourt dans le fond de l'assiette, y allonger une magnifique aubergine grillée, suivie de près de notre petit beurre magique. Et pour une petite touche de fraîcheur, de la coriandre et des zestes de citron, vous allez adorer le goût fumé de l'aubergine, la gourmandise du yaourt et la douceur de ce petit beurre. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez le faire à l'assiette ou dans un grand plat à partager.